Bel bonjour, bel bonsoir, tout le monde qui a écouté l'émission. Ça peut être aussi en rediffusion, moi qui a dit ça, parce qu'il y a des moments, le mercredi au soir, l'émission qui a passé, c'est première fois, après qui a passé le jeudi, deux fois je crois, le Jeudi, matin et puis tard dans la nuit, l'émission qui a repassé, puis d'autres peuvent y le dimanche, retrouver ouais, du tout. sur YouTube. Donc, bel bonjour, bel bonsoir pour tout le monde. Merci encore pour le monde qui a arrêté nous pour dire nous que vous avez apprécié l'émission. Nous avons rappelé aux autres que vous avez la possibilité de nous, bah, nous des sujets pour que nous traiter, puisque nous avons dans le cadre d'émission l'UPEM, Union des parents d'élèves de Martinique. Avec, on a son président qui préside souvent l'émission en l'absence de la personne que vous connaissez bien. Ça m'arrive. Donc, le président, une fois de plus, Claude, que nous qui baillons la parole tout à l'heure, qui a bien dit nous, bah, nos numéros de téléphone, comment on est pour contacter l'UPEM, parce que les organisations importantes. Donc, nous qui disons ça tout à l'heure. Et puis, bon, ben, on va y aller tout de suite. Hein. On va dire bel bonsoir. Non pas à Claude, mais on va dire bonsoir, bonsoir, bonsoir à toi, Karine. Belle bonsoir, Karine. Belle bonsoir. Belle bonsoir tout le monde. Ben, moins content aux autres. Et puis, ben, nous allons aborder un beau sujet Un beau sujet, aujourd'hui. ça c'est Sujet sûr. intéressant. Super. Belle bonsoir, Miss Josiane, ma petite Josiane d'amour. Eh bien, bonsoir, papa, moi d'abord. Bonsoir, bah, nous toutes qui allons, les autres là. Bon, et puis nous qui après-midi, qui m'ont nous qui expliquer aux autres certains petits barrets. Ok, belle bonsoir, mais c'est le président oui. de l'Union des parents d'élèves et étudiants d'étudiants de Martinique. De Martinique. Bon, belle bonsoir à tout le monde. Tous les parents, bah, tout le team en bail, toute la communauté éducative, bah, tout le monde, quoi, toute Martinique. Claude, vous pouvez rappeler un numéro de téléphone pour joindre Alors, pour joindre l'UPEM, ça va être très facile, hein, 60-95 deux fois, en fixe, hein, 60-95 deux fois. Alors, on va regarder les talents pour numéro portable, numéro WhatsApp, mais en tout cas, nous, on y a un site internet, upem.net, quoi, trouver-nous dans les Facebook, quoi, trouver-nous dans les Instagram, donc, ni par tous les moyens, mon mail l'UPEM, joignable. Voilà. Alors, c'est important parce que individuellement, nous avons un rôle qu'à jouer dans la société, en tant que parents d'élèves, en tant que parents, en tant que monde simplement, mais collectivement, nous avons aussi un rôle. C'est pour ça, souvent, moi, qui ai rappelé nécessité, mettez-nous en association. Lors tout seul, vous pouvez faire un bagage, mais lors à 10 000, vous pouvez faire un complice. Alors, bon, bah, pareil, tout est un après-midi en la Lupin parce que nous, quand même, nous avons un rôle pour, et puis les événements qui fait, nous avons un rôle pour les élections. Donc, on a un petit point de. De réserve, hein, malgré tout, on n'a pas développé vraiment ben, l'UPEM, puisque nous pouvons entrer ni plus ni en temps différent. Mais en tout cas, ça m'a dit, c'est ma maille là, allez voter, hein, allez voter, puisque si, enfin, ben, c'est ma maille, cette enveloppe là, voter par correspondance, on bien joué, il y a des semaines là, établi, et bien, ma maille là, on se compte aux urnes pour voter. Voilà. C'est une élection, c'est quand toute élection, c'est un espace démocratique que la loi a accordé nous, alors nous occupés, parce que la nature est du vide. Si nous ne participons pas des affaires nous-mêmes, eh bien, nous ne participons pas nous. Bien sûr, on l'a fait. Voilà. En tout cas, nous ne pouvons pas cibler l'UPEM en particulier. Mais non, en tout cas, nous avons dit engager pour les autres, voilà, aller. Et c'est important, les autres, car les autres, aller à l'école, intéresser les autres, à l'école là, ça c'est déjà un bon bagage extraordinaire. Donc, fait. Okay. Dis-moi bien, c'est déjà une motivation. Et vous avez envie d'aller. Parce que je pas sorti en vie. Aller et puis yo, aller à dans l'école là pour yo aller, puisque nous parents, c'est nos modèles là. Si nous pas aller pièce côté et puis chenou, beaucoup de gens qui ont dit vient à l'autre côté. Alors c'est vrai que nous, les associations, de manière générale, toute association confondue, t'es demandé, rectorat en sensibilisation, t'es prévu la semaine passée, t'es prévu en grande réunion. Jeudi passé, et puis était un peu médiatisé, mais malheureusement, les circonstances font que la réunion n'a pas de chaîne. Donc, voilà, effectivement, nous avons essayé de sensibiliser tout le monde, en tout cas toute la communauté éducative, qui a essayé de sensibiliser ces mamans-là pour que ça inscrit Koyo, enfin, pas inscrit Koyo, mais impliquer Koyo en disant dispositif éducatif-là, quelle que soit toute association confondue, hein, mais pas, ouais. Nous pas besoin de faire publicité, bagnon, ni l'autre, mais en tout cas, toute association confondue, où chaque parent a trouvé un.
un modèle associatif qui va correspondre à vision du monde, vision de la chose, donc qui va inscrire quoi, là il est. Voilà. Mm-hmm. D'accord. En tout cas, tous les mercredis, les nous là, c'est déjà un travail que nous avons fait pour motiver, nous avons engagé quoi, la société a besoin de ça, qui nous l'équipe balayer. Engagé qu'on nous, ça peut être dans nous, dans d'autres associations. En tout cas, ça important déjà, mettez tes mains là en disant les faits. Comme papa, moi, maman, moi, qui a occupé de l'école, là, qui a accompagné moi, ben moi aussi, moi, qui a intéressé comme moi, qui m'a fils à l'école. Et ça, il y a un avantage là, c'est paradoxalement, il n'y a pas à penser que si vous venez dans l'école là, ça va y en a pas. Il y a un grief contre cette maman là, mais regardez, non, c'est plutôt le cas inverse. C'est plutôt généralement, c'est l'inverse. Les parents impliqués, non seulement il y a des bons contacts, les gens savent qu'ils sont impliqués, les camarades savent que les parents sont venus, donc ils mettent quand même les gens là, ils ont l'eau, ils mettent les gens là à l'abri. C'est ça qu'ils ont harcelé un parent qui est venu à l'école là. Les parents qui sont présents, ça va, c'est pas mal. Bon, ça, c'est important, ça ouais, donc les parents présents, ça veut dire que ça a mettre quand même les gens là dans. Dans sous protection. De sécurité. De sécurité. Sans dire quand même, il faut que nous virions ça, parce que ça fait que les parents qui viennent dans l'école, ça peut poser problème justement. Ça, c'est pas ni longtemps entendre ça, mais ça peut expliquer qu'il y a dans certaines conditions. Ah non, nous ne pouvons pas vivre dans le monde. Pas en fait, c'est clair, mais en tout cas, dans un cadre général, un cadre normal, un cadre apaisé, généralement, ça va marcher bien. Voilà. Nous ne pouvons pas parler des cas et justement, ça n'a pas apaisé, que ça peut poser un petit moment des problèmes. Madame l'éducatrice. Oui, madame. Je vais vous donner l'occasion de. Dites-nous de quoi nous parlons. Quel sujet nous allons aborder? Alors, aujourd'hui, nous abordons le sujet pourquoi est-il important et nécessaire de faire preuve de fermeté auprès de son enfant? De faire parfois preuve de fermeté. Je dis parfois parce qu'on ne fait pas que ça au niveau de l'éducation. Donc, pourquoi c'est important? C'est important d'être ferme avec son enfant, déjà parce que l'enfant, il a besoin de se sentir protégé, de se sentir en sécurité. Il a besoin de se sentir aimé aussi. Il a besoin de se construire. Il a besoin de développer aussi des compétences sociales. Il a besoin de s'affirmer. L'enfant a besoin aussi de tester les limites et de braver les interdits. Mm-hmm. Donc ça fait partie de son développement. Oui. C'est un monde, quoi. Oui, tout à fait. Donc, mais face à toutes ces actions-là, il doit avoir en face un adulte qui soit capable de pouvoir répondre à son comportement, qui est tout à fait normal puisque ça fait partie de son développement. On va parler d'un enfant de 4-5 ans, à peu près. C'est une fourchette. Donc ça, c'est important qu'un enfant puisse avoir de temps en temps un adulte qui soit capable d'être ferme avec lui. Parfois, vous avez des parents qui ont du mal à dire non à leur enfant parce qu'ils ont une culpabilité, ils ont peur que leur enfant ne les aime pas, que de perdre l'amour de leur enfant, mais n'empêche que c'est nécessaire et c'est important. L'enfant a besoin de comprendre, d'apprendre et de comprendre qu'il rentre dans une société où il y a des règles à respecter. Il en va de sa liberté et de la liberté des autres. Donc, c'est important de pouvoir lui inculquer ça. Donc, en face, il doit avoir un parent qui est suffisamment mature, qui est responsable, qui est capable d'avoir une posture face à son enfant, une posture de confiance en soi, pouvoir faire preuve de fermeté, mais de manière bienveillante. C'est-à-dire, on peut faire preuve de fermeté, mais pas forcément en tapant ou en criant. On peut faire preuve de fermeté tout en étant dans le respect. Donc, c'est aussi par l'exemple. L'enfant voit la manière dont on pose les limites, comment on se positionne face à lui. Donc, c'est vraiment une posture. Nous devons avoir une posture adéquate face à l'enfant. Si nous avons une posture à rigoler devant l'enfant, à ne pas être sérieux, ben, on perd de sa crédibilité et l'enfant sent que nous ne sommes pas cohérents. Donc, on doit aussi inculquer des règles qui soient justes, qui soient cohérentes, qui soient claires aussi, clairement identifiées pour que l'enfant comprenne. Nous devons être aussi constants dans la fermeté, c'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, je décide que c'est comme ça. Si l'instant d'après ou le lendemain, je fais autrement, l'enfant va pas comprendre pourquoi hier et tout à l'heure, c'était comme ça et maintenant, c'est autre chose. Donc, nous devons être constants.
Voilà ce que je pourrais dire. Agir de la même manière avec tous les enfants. Non, pas du tout. Non, la fermeté, c'est-à-dire non, appliquer le modèle justement à d'autres enfants, il n'est pas faire de la même manière, mais si on est ferme sur des règles avec son enfant à soi, si un autre enfant vient à la maison, il faut qu'il s'y conforme aussi. Tout à fait. Voilà. Oui, c'est les mêmes règles, effectivement. Donc ça, on parle de justice. Voilà. Vous pouvez effectivement avoir les mêmes règles. Si on dit à son enfant, c'est comme ça, l'autre enfant, c'est également, c'est la même chose. Donc je vais vous donner un exemple concret de situation par rapport à la fermeté. Ça nous arrive d'observer, par exemple, des enfants dans les magasins qui pleurent. Qui pleurent et parfois c'est difficile parce que vous voyez que le parent, parfois, il est embêté, il ne sait pas comment faire avec son enfant, vous avez l'enfant qui pleure, qui fait des crises. Mmh. Donc voilà, donc ça c'est. Et puis parfois, vu ce comportement, vous avez des parents du coup qui préfèrent ne plus emmener leur enfant faire des courses parce que c'est difficile à gérer et que. De voir son enfant pleurer ou faire des crises en public. Oui. On nous dit, bah, là, vraiment, franchement, c'est... si tu en as qu'à pleurer, un témoignage discret, c'est pas vraiment un problème, mais les cas fait crise. C'est ça. C'est ça. C'est pas évident. La réaction qu'on a souvent soi-même, mm-hmm. L'aime quoi garder mon nom qui est à côté, mon être, c'est mon nom qui a gardé, tu vois, mais là, qui a gardé vous-même. Mm-hmm. Allez, on reste sur ce détail. Tout à fait. Alors, moi, je pense que déjà, il faut chercher à comprendre pourquoi l'enfant pleure. Pour quelle raison ? Donc, on va y mettre plusieurs hypothèses. Peut-être que l'enfant, il pleure parce que sa maman lui a dit non pour un cadeau, pour un jouet à acheter, pour un aliment à acheter. Donc, l'enfant doit pouvoir apprendre à gérer la frustration. Donc, il pleure par rapport à ça. Il faut voir aussi comment les parents se comportent. C'est-à-dire que, est-ce que le parent a l'habitude d'acheter systématiquement un jouet ou un gâteau à l'enfant à chaque fois qu'il va faire des courses ? Enfin, voilà. Donc, ça, du coup, ça amène des habitudes et l'enfant ne comprend pas le jour où le parent va lui dire non, par exemple. Donc, c'est encore des frustrations. Ça peut être aussi parce que l'enfant est fatigué. Il faut aussi choisir le moment où on décide d'aller faire les courses avec son enfant. Parce que si, par exemple, on décide d'aller faire les courses à 19h le soir, alors que l'enfant a déjà eu sa journée d'école et puis qu'il a peut-être faim, il est fatigué, et que, donc ça sera plus difficile pour lui de supporter de faire des courses le soir avec son parent. Donc je pense qu'il faut vraiment prendre en compte plusieurs paramètres quand même. Donc, sachant que quand même, il faut être clair aussi avec ce que l'on fait et ce que l'on dit. Ce qui est important, moi, je pense, c'est déjà, comme je disais, de bien choisir le moment pour emmener son enfant faire des courses. Ça, c'est important. Voilà. Si tu mets la faim, si c'est le lait manger, et tu mets la faim, c'est pas le moment c'est de pas... mener dans le magasin, puis il voit pas de chez biscuits, puis il voit toute qualité de bagages. Exactement. Et puis, pourquoi battre-lui parce qu'il a roulé quand il y a terre. Exactement. Donc, il faut choisir le moment opportun pour l'emmener faire les courses. Et puis, il faut aussi anticiper ces moments-là. Si on sait que son enfant a du mal à gérer la frustration, que c'est difficile, ou que l'enfant va se mettre à courir partout, enfin, eh bien, il faut établir les règles dès le départ, avant de partir de la maison. C'est-à-dire, il faut expliquer à l'enfant ce qu'on attend de lui. Mmh. Dans le magasin. Il faut lui dire, bon ben voilà, on va faire les courses, le valorise aussi, je sais que tu es grand, tu es capable. Alors on lui explique les règles. Voilà ce que tu as le droit de faire, voilà ce qui faut faire et voilà ce qu'il ne faut pas faire. Et parfois, on ne prend pas le temps de faire ça. Ah non, tu avais dit, il faut préparer ce moment-là. Mais oui, il faut le préparer, mais bien sûr. Un enfant, c'est un enfant. Ben, exactement, il est en phase d'apprentissage. Donc on pense que c'est logique que l'enfant, il est censé comprendre, censé savoir. Mais non, ce n'est pas forcément logique. Alors vous avez des enfants qui ne posera pas de problème. Ils vont se comporter correctement dans un magasin, mais vous avez d'autres enfants où il faut leur expliquer, il faut leur dire, il faut leur expliquer ce qu'on attend d'eux. Donc déjà, ça, avant de partir, on leur explique. Voilà ce que tu as le droit de faire, ce que tu n'as pas le droit de faire. Et puis, le valoriser, dire mais tu es grand, tu es capable d'eux. Et puis aussi, porter une portée pédagogique et éducative. Quand on emmène l'enfant faire des courses. Par exemple, on peut l'amener à participer aux courses, à aller chercher des aliments, par exemple, à identifier les légumes, les fruits. Voilà, il faut faire participer l'enfant, comme ça l'enfant se sent acteur, ça lui permet d'apprendre en même temps, et puis ça l'occupe, et c'est beaucoup plus facile aussi de faire passer le temps de façon beaucoup plus agréable, alors que quand on est pressé, on veut faire vite, et puis on n'a pas le temps, donc c'est différent. Donc on peut faire
faire aussi cette portée pédagogique et éducative avec lui pour que ça se passe le mieux possible. Et puis, nous aussi, en tant que parents, il faut qu'on ait aussi une posture plutôt calme, plutôt patient, et puis voilà, être ce qui n'est pas toujours évident. Ça veut dire choisir aussi son propre moment où aller dans le magasin. Exactement, être tout prêt. Tout c'est les manger, tu vois, mais la quatrième neige. C'est ça, exactement. Voilà, c'est toi-même, tu as faim. Voilà. Bonne humeur quand tu as faim. Donc, voilà. Vous faites l'enfant fatigué pour pas aller au magasin. Mais non, mais parce que l'enfant ressent. Il ressent. Ouais. Plus le parent sera calme, sera tranquille, ne sera pas stressé. Parce qu'il y a aussi des parents qui sont stressés parce qu'ils anticipent aussi la réaction de leur enfant. Ah ouais. Des fois, ça arrive aussi. Parfois, il y a des parents de peur que leur enfant fasse n'importe quoi. Ils vont se presser, ils vont stresser. Du coup, l'enfant le ressent. Et puis, l'enfant ressent quand le parent n'est pas à l'aise aussi. Et puis, c'est là qu'il va profiter pour faire... Voilà, ce qui fait que l'aise... L'aise qui m'a mis la cafambaya dans le magasin, souvent, quand il y a des gens qui te dit « Ah ouais, c'est parce qu'il a l'habitude de faire ça. » Non, pas forcément. Il y a comme il ouvre un magasin, il a fait Wall, il a bâti moi, etc. Tu vois, il a ni l'habitude. Alors que ça n'est pas vrai. Non. Ça n'est pas systématique. Non, non. C'est pas vrai. Oui. Donc, l'enfant, des fois, il teste aussi pour voir la réaction du parent. Comment l'enfant... Alors, donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut ne pas paniquer, rester calme. Et puis, on peut très bien dire les choses de façon ferme, sans forcément crier et montrer que, voilà, on est là, on est présent. Il faut faire un stage avec Josiane. Josiane va nous apprendre à dire les choses, sans crier, bah, écoute ça. Ouais, mais... Non, attends, je veux t'en dire. Et même si... Je disais ça, il était une fois là, il faut que nous ayons été critiqués et puis jugés. Nous sommes basés, l'éducation de chez nous est basée sur la critique et le jugement. Ah ouais, tu l'as dit ou toi, a tenu l'habitude, comme je dis, nos honte, nous n'y des expressions qu'on a utilisées dans l'éducation. Ah, parce que tu mets la café. Non, tu peux dire tout ce que tu peux préparer ton enfant. Oui. Et puis joie, bah, il n'a pas sens. Exactement, c'est pour et ça puis, que je dis. Il décide de faire... crier, et puis il tape, de frapper. Eh bien oui, eh bien moi j'ai eu cette expérience avec mon neveu. Et surtout, c'est côté là, il y a eu 2 ans comme ça. Un an et demi, 2 ans, 3 ans, il n'y a fait ça. Il n'y a pas de capacité. Et puis, le roi de magasin, brusquement, mais on assiste à ça. Il se met à crier, crier. Alors, on était ce jour-là à Fort-de-France. Hein. Monsieur, il devait avoir 2 ans, monsieur décidait qu'il n'y avait pas ma chambre. Peut-être qu'il était fatigué, je n'en sais rien. Tout ça m'en fait, bon, pas mais. Ah bon. Parce que là, il y a ni problème oui, là. Aussi. Il y a 6 à terre, il dit, il n'y a pas qu'à venir. Vous partez avec des affaires, oui. Évidemment. Oui, à son regard, bien sûr. Mais quand même. Mais oui, son regard. Eh bien, il n'y a pas gêné, il fait ça en gros. Oui, parce que ça dépend aussi de la réaction de que l'adulte peut avoir. Parce que si on a une réaction de panique, de oh, on a peur qu'on nous regarde. Oui, mais voilà. Les gens regardent parce que les gens font des observations. Oui, tout à fait. C'est pourquoi j'ai dit critique et jugement. Tout à fait. Mais c'est pour ça qu'il faut être clair avec soi-même. Voilà. C'est-à-dire être sûr de ce qu'on fait et de comment on le fait. Parce que nous, on sait pourquoi on fait les choses, pourquoi son enfant aussi se comporte comme ça. C'est des choses qui arrivent. Et moi, si je suis au clair avec moi-même, moi, j'ai décidé que mon enfant peut faire ça, je suis dans l'ignorance. Je vaque à mes occupations. Bien sûr, j'ai un regard sur lui. Parce qu'au niveau de la sécurité, je dois quand même faire attention à ce qu'il fait. J'ai quand même un regard. Parce que c'est vrai que parfois, plus vous avez de l'attention, plus vous êtes là derrière votre enfant, plus il va en rajouter. Plus il va en rajouter. Donc, des fois, parfois, effectivement, l'ignorance... Des fois, c'est pas mal aussi, parce que vous continuez, c'est comme pour dire à l'enfant, c'est pas parce que tu vas faire ça que je vais arrêter de faire ce que j'ai à faire et que surtout, je vais partir à la maison, rentrer chez moi et arrêter de faire ce que je suis venue faire. Parce que ça, c'est important aussi. Oui. Parce que c'est pas parce que l'enfant fait ça que je vais m'arrêter de faire mes courses ou je vais arrêter de faire quoi que ce soit. Hein, parce que si j'ai décidé de venir là, c'est pas à l'enfant non plus de décider mon programme. Donc c'est pas parce que tu vas faire ça que je vais rentrer aussitôt et que voilà. Donc on peut être aussi effectivement dans l'ignorance. On laisse l'enfant parce que
L'enfant aussi a le droit d'exprimer sa frustration, ses émotions. Et puis, comme on dit, des fois, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de l'enfant. Parfois aussi, c'est des surstimulations que l'enfant a autour de lui. Des fois, quand il y a trop de bruit, quand il y a de la musique, quand il y a beaucoup de monde. Et quand il y a beaucoup de monde aussi autour, parfois, ça peut stresser un peu l'enfant. Ça peut... On ne sait pas trop ce qui se passe dans sa tête. Et d'un coup, ben, on ne comprend pas. On ne comprend pas forcément sur sa réaction. On se dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Et effectivement, on peut être surprise de sa réaction et ne pas comprendre pourquoi il réagit comme ça. Mais je pense, effectivement, le meilleur moyen, c'est parfois, effectivement, ne pas s'énerver et puis... surtout pas. Voilà, surtout pas s'énerver. Et puis ne pas le taper, parce que les gens aiment faire ça. Nous aimons, madame, nous aimons taper les enfants. Ou trop mal élevé, et justement le jugement. Tu m'as mal élevé, tu m'as fait oh, nanana, ça sert à quoi? Ça ne va pas l'aider à ne pas recommencer la prochaine fois. Tout à fait. Et puis c'est culpabilisant. Oui. Parce que l'enfant a des périodes où il n'arrive pas à gérer ses émotions et sa frustration. Donc il faut respecter ça aussi. Se dire que c'est passager. En fait, cette réaction-là, ça ne sera pas tout le temps comme ça. Et puis aussi, ça ne sert à rien de ressasser ça aussi à l'enfant. Ah oui, l'autre fois, tu as fait ci, tu as fait ça. Ça ne sert à rien de ressasser. C'est sur le moment, on laisse comme ça. Et puis, on peut en reparler aussi après avec l'enfant. Je n'ai pas compris, tu as fait ça. En reparler après, quel moment, pas sur le moment. Pas pendant que l'enfant est en crise, parce que vous aurez beau parler à un enfant en crise, il n'entend rien, il ne vous écoutera pas, il sera dans sa frustration, dans sa colère. Ouais. Donc, le laisser faire sa colère. Parfois, il y a des enfants, on dit de ne pas le frapper, mais il y a des enfants, effectivement, on ne frappe pas, mais il y a des enfants, des fois, qui ont besoin aussi d'être contenus. Voilà. Il y a des enfants des fois, il y a des enfants qui ont besoin d'être contenus. Donc, on peut aussi prendre l'enfant pour éviter, parce que l'enfant peut se débattre, peut se blesser aussi, donc on ne sait pas. Voilà. Donc, parfois, le fait de le contenir, donc au début, il va peut-être résister, après, il va relâcher l'attention. Et au fur et à mesure, on peut essayer de le rassurer, de lui dire, mais non, t'inquiète pas. Voilà, on peut faire ça aussi, parce que il y a... Bon. Donc, en fait, c'est essayer de s'adapter. Ouais. S'adapter à la situation le mieux qu'on puisse le faire. Ça veut dire, tant fait, tant qu'il t'est temps. Il t'est ni un temps, et si le problème de la patrie qu'a déjà posé. C'est-à-dire que les tiens, la café crisely, ou quoi, on y voit, il y a un décou en l'œil, tiens, veille, râler, et il y a un problème. Et puis, tu t'en tiens, et puis arrête. Ça, c'est dans 7 ans, ça. Alors qu'à présent, ça se fait toujours. Ça se fait toujours. Oui, ça se fait toujours. Tant fait, tant qu'il t'est temps. Ça se faisait beaucoup plus couramment. Beaucoup plus. Beaucoup plus couramment. Et donc là, on te dit, dans l'éducation à prison pour capoter Batiamé, là, quand petit maman est là, prends en compte le fait que petit maman, c'est un petit maman. C'est un monde, mais c'est un petit maman. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à ce stade-là, que vous voyez en tant qu'adulte, de mettre le corps à la place d'un petit moment, de comprendre, d'essayer de comprendre qui ça a passé en tête. Tout à l'heure, quand on dit, bon, il y a parfois des bails qui passent en tête, mais là, même parfois, nous, même des bails qui passent en tête, nous passons. Donc, considérer ce moment là, qu'on moune effectivement, qu'on petit moment, et puis, prendre ça en considération, adapter qu'on nous. Tout à fait. Mais nous, ni en éducation, qui permettent, nous, les quoi faire bâtiment là, capable de réagir correctement, valablement, en faisant fi du regard des autres. Surtout. Vous pouvez penser ça, Yolé, c'est moins petit moment là. Tout à fait. Mon éducation continue. En mettant magasin, au moment où il a fait Christia, ça a moins de réagir. Éducation moyenne, car justement continuer et à moins de savoir comment il manque à réagir. Exactement. Est-ce que pour faire mon plaisir, moi qui ai voyé un détape en l'œil, est-ce que, bon, vaut mieux m'en prendre? Bon, c'est un macateur qui a vrillé pied, par exemple. Tu prends quelques coups de pied, enfin, ça répond. Oui. Bon, tu prends quelques coups de pied, mais enfin, tu achètes juste, tu l'apaises. Si c'est faut que chanter, ben, ouais, merci. Il faut qu'on fasse ça, ça, on y a fait, quoi. Tout à fait. Quelque chose que j'ai dit, puisqu'on a un papa sur le plateau. Est-ce que ça arrive plus souvent, et puis c'est Madame Long, ou bien ces gens de bête là, et toi, tu vas nous dire tout à l'heure, ça arrive, et puis les papas, parce que ça arrive à moi, tu vas me dire que les enfants sont plus souvent avec les mamans qu'avec les papas. C'est ça, donc la fréquence est plus élevée. Le risque est plus élevé que ce soit produit avec les mamans, parce qu'ils sont plus souvent avec les mamans, mais avec les papas aussi, ça arrive. Avec les papas aussi, moi, mes petites... Et puis, bébé, jeune, bon, c'est vrai, bon, il y a déjà bien longtemps, mais on a toujours cette problématique-là. Donc, moi, c'était par exemple, on va dans le magasin, il y avait une technique, bon, c'était. Je dis non, aujourd'hui, je dis non comme ça. Aujourd'hui, c'est non.
Même si je voudrais dire oui, mais par principe, je dis non. Je dis c'est non. Ou à beau plaire, ou à... Je dis c'est non. Là, tu montres à l'enfant que c'est pour qu'il comprenne le non, que lorsqu'il va rentrer à la maison, qu'il n'est pas mort, il est toujours vivant. On lui a dit non. Le monde ne s'arrête pas. C'est la vie continue. C'est pas que papa ne m'aime pas, parce qu'il m'a dit non, maman ne m'aime pas. Bon, ben, il m'a dit non aujourd'hui, ben, je vais tenter demain. Et peut-être demain, je vais dire oui. Apprendre à gérer sa frustration. Barajo, souvent, tu as fait des émissions avec ça. Apprendre à dire la non, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aimer. Ouais, voilà. Ça veut dire qu'il faut qu'on, de toutes les façons, dans la vie, il faut qu'on dise qu'on non à certains moments. Oui, donc, ça. Lui aussi, il faut y apprendre. Que le non va exister. Patienter jusqu'à temps. Oui, c'est ça. Excusez-moi. Ah oui. Il n'y a pas d'éducation sans frustration. Oui, c'est ça. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de vie. Tout à fait. Parce que depuis un certain temps, nous assistons aussi dans des familles où il ne faut pas le traumatiser. La petite poupée, le petit je ne sais pas quoi, ça nous donne ce que ça va nous donner. Il faut lui apprendre que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Ce qu'on appelait un peu, c'était les enfants rois, à un moment donné, c'était à la mode, on disait les enfants rois, mais ça continue. L'expression est un peu quand même atténue, on en parle, on en parle moins. On va y revenir, c'est valable toujours. Hein? Oui. On l'a dit autrement. Bon, la circonstance à laquelle on l'a dit, on nous révise les seins. Alors, pour répondre par rapport au papa, ça arrive aussi avec les papas, parce que vous avez certains papas aussi qui ont aussi parfois du mal à se positionner. Ça arrive aussi. Alors, comme je dis, ce n'est pas de la faute ni du papa ou de la maman. Parfois... le papa ou la maman a du mal à se positionner parce qu'il a peur de perdre l'amour de son enfant. Oui, dans son cœur. Hein. Oui. Donc, alors le parent culpabilise de dire non à son enfant. Et comme vous disiez si bien, le non est important. L'enfant a besoin de ça pour se construire, pour comprendre effectivement qu'on est dans une société, on ne peut pas dire oui à tout, parce que le fait de ne pas être capable, être en mesure de dire non à son enfant, ça engendre des troubles du comportement incroyables. Et ça peut aller même plus loin. Plus tard, quand l'enfant grandit, il peut se dire, bon, ben, je suis dans un monde où on ne me dit jamais non. Donc, ça veut dire que je peux aller voler, je peux prendre... En fait, je peux répondre à tous mes désirs, tout de suite, dans l'immédiat, puisque je n'ai pas appris à gérer la frustration. On ne m'a pas appris ça. Donc, le non est important. Et puis aussi, les explications. Ça aussi, c'est important. Parfois, on a tendance à trop parler à l'enfant. C'est ça. Parler à l'enfant. À un moment donné, c'est non et c'est non. Il n'y a pas 10 000 explications. Parce qu'à trop être dans la bienveillance, dans la gentillesse, à être à l'écoute de l'enfant, mais parfois, on donne trop de justifications. Trop de justifications. À un moment donné, c'est non, c'est non. On tombe dans un paradoxe. On dit non pour un article, et puis lorsqu'on va à la caisse, on paye l'embarquement, il me dit non, mais il a l'argent. Mais il a l'argent. Oui, et il a payé. Il ne comprend pas. Mais si tu lui dis non, c'est effectivement. Non, c'est non. Donc, même si on va payer, ce n'est pas un problème d'argent. Tout à fait. On peut aussi avoir un jour le problème de difficulté monétaire. Budget. Tout à fait. Au budget, mais on n'est pas obligé de lui dire non plus. Oui, mais on peut lui apprendre à gérer de l'argent. L'argent, c'est quelque chose dont tu as une quantité à un moment donné, puis après, l'a utilisé, il peut arrêter. Donc, on peut apprendre ni gérer déjà. Parce que souvent, tiens, mais la cadeau, le papier, quoi, dit, tiens, mais là, je n'ai plus d'argent. Il cadeau, fait le papier, remplit le papier. Il va prendre le chèque. Tiens, mais là, 4-5 ans, il va prendre le chèque. Il cadeau, fais le papier. Puis, il y a maintenant la carte, tu donnes la carte que tu avais, la petite carte verte, bleue, etc. Oui, donc, mais vous êtes déjà à l'argent. Mais avant l'argent. Et ouais, chaque fois qu'il y a là dans le magasin, il n'y a besoin de nounous, il n'y a besoin de ça. Il y a un petit bail, un petit jeu, un petit bail qui appelait. Tu lui donnes. Donc ça commence aussi par ça. Oui, c'est pour ça que je dis parfois, certains parents créent des besoins. C'est ça. Sans le vouloir. Voilà. Ils veulent faire plaisir absolument à chaque fois à leur enfant, sauf qu'ils créent un besoin. Et le jour où ils ne peuvent pas, où ils ne veulent pas, c'est une crise. Mais en même temps, c'est, entre guillemets, normal, puisque l'enfant a été habitué à ça. À chaque fois qu'il va dans un magasin, on lui achète un jouet, on lui achète quelque chose. Donc, faut aussi... le parent doit être cohérent, en fait. Il doit être cohérent dans ce qu'il fait. Et on ne peut pas créer un besoin chez l'enfant. Et du jour au lendemain,
lui dire non et ne pas comprendre pourquoi l'enfant crie et pourquoi l'enfant pleure. Et normalement, vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est valable pour tout. Ouais. Je donne un exemple par rapport à la tétine, par exemple. Ouais. Parfois, il y a des parents ou le téléphone portable. Mmh. Par exemple, vous avez habitué à votre enfant à lui donner le téléphone portable. Vous avez habitué l'enfant à lui donner vos clés de voiture, par exemple. Vous avez habitué l'enfant, bon, peu importe. Et puis, du jour au lendemain, vous vous rendez compte que finalement, ben, c'est pas bien, j'aurais pas dû. Et ben, du jour au lendemain, vous lui donnez plus. L'enfant, il comprend pas. Donc, il va pleurer, il va crier. Normal, enfin normal, pas normal de lui donner la clé, mais normal, sa réaction est tout à fait compréhensive. Mmh. Donc c'est à vous, au fur et à mesure du temps, de retourner progressivement et dire oui, effectivement, maman, jusque-là, te donnait, mais maman a décidé que non, c'est pas bon. Enfin, voilà, revenir sur ce qu'on est, au fur et à mesure, ben, l'enfant va comprendre que, mais surtout, ne pas céder. Parce que sinon, on n'est pas cohérent. Si aujourd'hui, on dit non, et puis la minute d'après, ou parce qu'on veut être tranquille, on dit oui, ce n'est pas cohérent. Parce que nous, dans un fait de test, tu n'as qu'à tester à tout moment. Tout à fait. Tout à fait. Donc, si par exemple, je dis non pour le téléphone portable, parce que parfois, même très jeune, on donne le téléphone pour les comptines, pour peu importe. Et si je dis non, et puis d'un coup, je suis occupée au téléphone avec quelqu'un, et puis que l'enfant est là en train de pleurer, et puis dit mimi. Fini et puis ça. Voilà, ouais. Ben, c'est pas cohérent. Ouais. C'est pas cohérent. On ne peut pas faire ça. L'enfant, il ne va pas comprendre. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce. Il faut que nous ayons, comme je dis, dans les règles, une certaine constance, une certaine continuité. Les règles ne doivent pas non plus dépendre de notre état émotionnel. Parce qu'aujourd'hui, je suis fatiguée, ben, je cède à tout. Il y a ça aussi. Parfois, on fait ça aussi. Aujourd'hui, c'est la porte ouverte à tout. Et tu m'as mis la casse senti ça, c'est bien qu'à mon dos. C'est ça. Donc, il faut que nous soyons... Exceptionnellement, ça peut devenir une exception quand même. Hein. Ce n'est vraiment pas fatigué. Mais c'est ça. Non, ça peut être... Parce que biologiquement, on ne peut pas. Ça peut devenir exceptionnel. Oui, je suis d'accord. Mais il faut que l'enfant sache que c'est exceptionnel. Il faut être vigilant. Voilà. Il faut lui dire, voilà. C'est exceptionnel. Mais oui, mais tu n'es pas stable dans ton éducation. C'est exceptionnel. Mais non, mais si tu ne peux pas. Je m'en casse c'est exceptionnel. Tu as dit à l'enfant que c'est exceptionnel. Il va essayer de s'arranger, c'est pas demain, puis après demain, il est exceptionnel. Tous les jours, il est exceptionnel. Sans café. Non, mais l'enfant, il est là, il fait tester, Mais à un moment donné, tu peux arriver à ta limite d'humain. Oui. C'est toi, si tu es malade, si tu as immobilisé. On est humain, on peut dire aussi. Effectivement, aujourd'hui, maman est fatiguée, papa est fatigué. Donc arrête de demander. Voilà, calme-toi. Mais on n'est pas obligé de céder, hein. Tu lui dis, arrête de demander. Aujourd'hui, maman est fatiguée ou papa est fatigué. Parce que l'enfant, il comprend. Hein. L'enfant, il est capable de comprendre aujourd'hui, on est moins disposé. Mais c'est vrai que je ne trouve pas ça très logique de tout donner parce que ça t'arrange aujourd'hui. Non, pas tout donner. Ça peut arriver, on n'est pas dans l'absolu. Ça peut arriver, mais tu t'arranges pour que ça n'arrive pas. Et quand ça va arriver, attention, parce qu'en fait, c'est la main tendue. Tu peux faire différemment, il y a toujours une solution. Oui, parce que ça veut dire que tu fais en fonction de toi. En fonction de... Ça demeure exceptionnel. Oui, on t'a dit, sois constant. Ça fait exceptionnel, loi, c'est pour le baguette. Sois constant. Attends, mais c'est ça. Madame l'éducatrice a dit d'être le plus constant possible. Ben, si en tu fait, peux n'être que constant, ranger corps pour être constant. En tout cas, dans les règles que tu donnes à ton enfant, ouais. Tu n'es peut-être pas constant au niveau de tes émotions, ça on peut l'entendre, on peut le comprendre, mais en tout cas, les règles que tu donnes à l'enfant... Les règles sont là. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est important. C'est important parce que parfois, les parents, ils ne comprennent pas. Si tu es comme ça... Voilà. Tu as la chaîne. L'enfant ne s'y retrouve pas. Ou c'est un toboggan. L'enfant ne s'y retrouve pas. Donc, c'est à nous, en tant qu'adultes, être suffisamment stables et constants pour pouvoir inculquer ça. Après, je sais bien que ce n'est pas évident au quotidien, qu'on a des fatigues, qu'on a des coups de mou. Mais bien sûr, ça, c'est... On n'est pas dans l'idéal. C'est vraiment l'exception. On n'est pas dans l'idéal. Je vais te répondre de cette affaire d'exception. Dis-moi. L'exception, ça veut dire un. Attends. Je vais te répondre de cette affaire d'exception. Tu dis
on est la maman papa. Hein, mm-hmm. Je dis à Intel? Mon enfant, mm-hmm. À nos, notre enfant, tu as assez, tu as assez mangé ou je ne sais pas trop. Oui. Et tu dois, je ne vais pas, je mais quand il dit entrer, il est plus bien. Vas-y. Mon papa, vous avez mangé assez, mm-hmm. vous avez pris goûté, vous avez pris tout petit bagaille. Maintenant, allez jouer, allez. Mm-hmm. Détendre corps. Faire ça au lit. Mm-hmm. Mais pas ni goûter encore. Le papa arrive. Il a pleuré. Surtout, il ne savait pas arriver. Il a pleuré. Qu'est-ce que tu as, mon doudou, mon chéri, en main? Et je n'ai pas pris la goûter, ou bien je n'ai pas. J'ai envie d'un petit morceau de chocolat. Ou bien, j'en ai pas l'air. Maman a dit non. Il y a du vécu, hein. Il n'y a pas qu'à chercher à sa maman dit. Hein? Ah, alors, la maman est là, la maman dit, mais oui, mais elle explique les choses. Ah ouais, mais petit maman, elle a envie de chocolat. Bah, et chocolat. Exceptionnellement, petit moment. C'est pas, bah, c'est pas tous les jours. C'est exceptionnel. Ça, hein? Non, ça, c'est pas exceptionnel, ça parlait. Attends, bah, ça m'a gagné. Et tu as bien ça dans les maisons, dans les, avec les mamies, les papis, les tantes, les marraines. Ouais. Tu dis que tu ne donnes pas ça à ton enfant. Oui. Hein? Anniversaire, lit arrivé. Premier bagage, il carré s'ouvrait, c'est ça, maman, et puis papa dit que quand tu es. Il y a ça aussi. Alors, tu vas nous dire comment. Oui, voilà. Oui, eh bien, c'est vrai. Donc, je tiens à en parler. Effectivement, respectons l'éducation que le parent donne. Que je sois grand-mère, que je sois marraine, que je sois tonton. Si les parents ont décidé ça, nous devons respecter ça. Ça, c'est important parce que le parent perd de sa crédibilité lorsque... Donc, je parle des extérieurs. Après, nous allons parler du papa qui va céder. Voilà. Donc, une tierce personne. Une tierce personne. C'est important de... Je parle aussi des grands-parents parce que parfois, les grands-parents... moi, je me dis que si le grand-parent garde l'enfant et le parent n'est pas là, ça, c'est une chose. C'est une chose. Bon, après, bien sûr, il y a des choses qu'il ne va peut-être pas donner quand même parce que le parent n'est pas d'accord. Ça, c'est une chose puisque le grand-parent gère avec l'enfant. Le parent n'est pas là. Par contre, quand le parent est là, et si le parent dit non à son enfant pour une situation, le grand-parent, normalement, ne doit pas intervenir dans cette situation. Non, ou bien oui, tu as dit non. Parce que le parent peut être d'accord pour un tout oui. Tout à fait. Le grand-parent, oui, pour lui, c'est non. Ça peut être l'inverse. Hein. Tout à fait. Donc, moi, je pense qu'on doit respecter son enfant adulte, qui est parent, respecter sa parole et l'éducation qu'il donne à son enfant. Parce que l'éducation que je vais donner à mon enfant ne sera peut-être pas la même et certainement peut-être grandement pas la même que celle que j'ai reçue de mes parents. Parce que peut-être que mes parents ne seront pas d'accord avec certaines orientations éducatives, mais nous devons respecter ça. Le grand-parent doit respecter ça aussi. Donc ça, c'est important. Concernant, effectivement, le papa qui va céder le soir en rentrant. Donc ça aussi, c'est important que les parents soient en accord au niveau de l'éducation. Ça, c'est important. Parce que quand le père fait ça, quand vous avez par exemple une maman qui a passé sa journée avec son enfant, qui a essayé de faire tant bien que peu, mettre des règles, ou coucher l'enfant, parce que ça aussi ça arrive. Par exemple, on va coucher l'enfant, il est tranquille, et puis c'est la fiesta, il y a maman qui arrive, qui sort du travail, et là, sans le vouloir. Bon, après on peut comprendre, le papa il a envie de voir son enfant parce qu'il a passé une journée de travail, donc on peut le comprendre, il n'y a pas de souci. La fiesta ne dure pas trop longtemps. Non, mais voilà, c'est ça en fait. Être vigilant quand même si on est content de revoir son enfant, à ne pas l'exciter parce que quand même quand on revient au sommeil, c'est quand même un moment calme. Mm-hmm. Et l'enfant, il va se dire, à chaque fois que papa revient, je vais pouvoir gratter entre guillemets un peu plus de temps avant de pouvoir dormir. Mm-hmm. Et voilà. Donc, il faut qu'il y ait quand même un accord et une communication
pour ne pas casser ce que fait quand même l'autre parent. Donc, quand l'enfant vient et fait « qu'est-ce qu'elle a dit, maman ?» Qu'est-ce que maman a dit ? Donc, même si... Ou qu'est-ce que papa a dit ? Ou qu'est-ce que papa a dit ? Voilà, ou qu'est-ce que papa a dit ? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que papa t'a dit ? Donc, en fonction, ou sinon, on va voir la maman, ben, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est dit ? Et la maman explique. Pour qu'il y ait quand même une cohérence, voilà. Une continuité. Parce que l'enfant, il sent quand il y a des failles. Hein. Mm-hmm. Il sent quand il y en a un qui va céder plus, quand il y en a un qui va faire tout le contraire de l'autre. L'enfant, c'est ça et il joue de ça. Mm-hmm. Et après, ça fait une instabilité. Ça fait que l'enfant peut aussi dire « Ah, ben quand papa va rentrer, c'est pas grave, je vais lui demander. Ouais. » Ça peut être ça aussi. Ou « Quand maman va rentrer, c'est pas grave, je vais lui demander. Mm-hmm. » Toi, tu m'as dit non, ça peut être ça aussi après. Mm-hmm. Donc, ça peut générer des conflits aussi dans le couple. Enfin, donc, il faut quand même être vigilant. Même si nous ne sommes pas d'accord, parce que ça peut arriver que le papa et la maman ne sont pas d'accord sur une réaction que l'autre a eue envers l'enfant. Même si on n'est pas d'accord, on laisse le parent gérer et après, on en parle. En dehors de la présence de l'enfant. Là, tu as fait ça, je n'ai pas compris, je suis pas d'accord. Et on en reparle, mais en dehors de la présence de l'enfant. Ouais. Ça, c'est important. Surtout pas devant ti maman est là pour dire, voilà, moi, je n'ai pas pensé ça. C'est etc., ça. Etc. Voilà. Ça décrédibilise l'autre parent. Donc, c'est important de faire comme ça. Il n'y a plus de respect. Voilà. Donc, il y a aussi cette notion de respect de entre l'autre. Les parents, de l'autre, et de la parole des deux parents, de chacun des parents. Et puis, et de l'enfant. À notre niveau. Tout à fait. Voilà. Exactement. Voilà. D'accord. Alors, les problèmes peuvent se causer, peuvent être apparents, par exemple, dans un couple, et c'est des mounants ensemble. Mm-hmm. Laisse les mounants séparés. Vous savez, parfois, il y a un petit jeu, que il y a un petit moment là, par exemple, qui a fait par rapport à l'autre, qui a cherché à bailler plus, etc., etc. Ou bien, il y a une manière de. Il n'y a pas de cohérence en disant, là, et puis maman, il peut faire telle bagaille, telle bagaille, telle bagaille, là, et puis papa, ça interdit, ou bien là, et puis papa, telle bagaille. Donc, même si c'est mounant séparé, il faut que je trouve un terrain d'entente pour que l'éducation soit assez cohérente. Alors, c'est vrai que l'idéal, ce serait ça. Mm-hmm. Oui, parce qu'on parle dans l'idéal. Voilà, hein. L'idéal, ce serait ça, mais généralement, ce n'est pas ce qui se passe. Mm-hmm. Mais bon, après l'enfant, les enfants, ils arrivent à savoir. De toute façon, disons que c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Mm-hmm. En tant que maman, si je suis séparée de mon conjoint, je ne maîtrise pas ce qui se passe chez lui. Et puis même si lui, il me dit que c'est comme ça, je fais comme toi, je ne suis pas là pour voir ou vérifier. Donc, c'est vrai que l'idéal, ce serait la cohérence. Mais ça, on ne le maîtrise pas. Vous avez quand même des enfants qui arrivent quand même à s'y retrouver. Moi, je dis, le plus important, c'est la sérénité. Il y a des décisions. Voilà, c'est la sérénité qu'il y a dans chaque foyer. Voilà. Que l'enfant ne sert pas d'objet de chantage. C'est ça le plus important. Et que l'autre parent ne déverse pas du négatif sur l'autre parent. Après, la cohérence est beaucoup plus difficile à se faire quand il y a séparation. Mm-hmm. Dans l'idéal, ça peut se faire, parce qu'il y a des parents qui sont séparés et qui arrivent à s'entendre, à gérer, à communiquer, à s'appeler, à avoir une bonne communication. Mais parfois, il faut aussi les situations où ce n'est pas possible, parce qu'il y a des parents qui ne veulent plus avoir de contact l'un avec l'autre aussi. Ça aussi, on peut le comprendre et on peut l'entendre. C'est vrai que l'idéal, ce n'est pas ça, mais on peut l'entendre et on peut le comprendre. Moi, je me dis que tant que le parent n'a pas une relation négative, à parler de manière négative de l'autre parent, tant qu'il y a de l'amour et on continue à être bien avec son enfant, à lui mettre un cadre, l'enfant, après, il arrive à se retrouver entre ce qui est autorisé chez maman et ce qui est autorisé chez papa. Mmh. Il arrive après à trouver un équilibre par rapport à ça. Mmh. Le plus important, c'est qu'il y ait une sérénité et voilà. Oui, et que l'enfant se sache aimé. Exactement. De tout à fait. En fait, c'est ça. Tout à fait. Okay. Exactement. On a parlé des magasins. Est-ce que c'est place sentiment maille à dans magasin? Nous-mêmes, là, nous arrivons à dans magasin, je ne sais pas pour surtout Josiane, je ne sais pas pour Claude. Surtout bon à Noël. Non, mais tu arrives avec ta liste de courses, normalement. Hein, tu arrives avec ta liste de courses ou toujours quand on en bagaille, que où c'est les. Comme brusquement, tu as un besoin de ce truc-là, alors que tu n'étais pas venu pour ça. Donc, ça veut dire que le magasin
du fait de la diversité produit niadin qui a pas ni des besoins, des envies qui a ni des besoins. Ça qui veut dire qu'on est capable de comprendre qu'un petit moment, il y a dans un magasin qui est enveloppé de bagages et lui aussi, il a envie. Donc, il faut qu'on mette quoi dans l'état d'esprit là, éthique, magasin lui-même qui a créé des besoins. Donc, vous aussi, vous qui a subi ça, mettez-vous à la place, si mon maïla, là, qu'il n'y a déversement de bagailles, et pourquoi m'a dit, frustré, quoi, pas crier, pas, etc. Tout à fait. Donc, d'où l'importance de préparer, si mon maïla, de savoir, mais qu'on va mettre en quelque part en danger, puisque tu le mets dans le lieu de la tentation, et puis tu veux qu'il ait un comportement génial, extraordinaire, idéal. Donc, faut, ou même pas, faut pas exagérer quand même. Faut être. Oui, mais au lendemain, oui, dit. Mais on arrive à gérer ça en général. Hein? Non, attends, mon vidéo, là. Justement, en 2024, là, c'est ça pour nous. Essayer qu'on nous puisse apprendre ce petit moment. Nous. Il faut qu'on apprenne, garder. Ça. Et puis, pour pas qu'il. Parce que c'est beau du hacher. Non, c'est pas ça. Non, et puis, pas bail à rien. Et puis, peut-être, l'autre jour, nous bail. Mais, jour temps là, nous pas bail. Ça, parce que, quand songer, les parents, t'es qu'à toujours dit nous, pas au type de ça, l'autre là, ni. Pas au type de ça, encore, au type de ça, besoin. Les parents, t'es qu'à dit nous ça, les nous, t'es petit maman. Au type de ça, besoin. Si vous pas besoin, bagaille là, pas occupé de ça, ou pas ni besoin. Et même si on est parce que, ou obligé, si on est besoin, ben là, obligé ni, puis on est besoin. Si on est besoin d'identifier pour bosser dedans, ou obligé acheter, on est besoin. Mais, en général, tant qu'on nous peut montrer, tu maman, nous éduquer, tu maman, nous, de telle sorte que, eh bien, ou peut, ou l'univers, bon, et puis, ou. Eh bien, il faut qu'on garde l'univers à la passe. Mais comme on dit, c'est le parent le premier exemple. Oui, mais c'est ça voilà, que je dis. C'est ça. C'est le parent l'exemple. Oui, donc, effectivement, il faut aussi qu'on apprenne à consommer de façon conscientisée, c'est-à-dire réfléchie, à savoir est-ce que j'ai vraiment besoin de ça ? Est-ce que j'ai besoin voilà, de ça. Apprendre voilà. À faire la différence entre l'envie en bagaille voilà, et l'envie en bagaille nécessaire. Ou parler de tubes. Attends, nous allons parler de tubes de dentifrice. Vous avez peut-être ni 3-4 tubes de dentifrice. Mais moi, elle a présenté, ou bien je dis, il y a eu une promotion. Eh bien, ou dans la consommation. Donc, là, nous allons parler de vie chère. Il y a de ça aussi. Bon, apprendre à. Oui, je parlais de la question d'aller au magasin avec un enfant, c'est la question de la. Alors, on va revenir dessus. Si je voulais justement reprendre par rapport à ça. Je pense que, enfin, pour moi, ce n'est pas la solution de ne pas emmener l'enfant dans les magasins. Après, il faut savoir doser et gérer, c'est-à-dire combien de temps je reste dans le magasin, comme je disais, à quel moment je vais dans le magasin. Parce que ça fait partie de la vie quotidienne. Mais naturellement, voilà. Il n'y a pas question d'éviter. Exactement. C'est ça fait l'évitement qui va faire l'éducation. Voilà, tout à fait. Donc ça fait partie de la vie quotidienne. Donc se dire « Ah, mon enfant fait trop de crises, mon enfant est insupportable quand on va dans le magasin, mon enfant ceci, mon enfant cela. Alors je le fais garder et puis je vais faire mes affaires tranquilles. » Donc oui, on peut le faire de temps en temps parce qu'on a besoin de souffler. Ça se comprend, il n'y a pas de problème. Mais de temps en temps aussi, emmener l'enfant, parce que oui, l'enfant a besoin... Voilà, c'est la vie quotidienne. L'enfant a besoin d'apprendre. Effectivement, que quand on va dans un magasin, on peut seulement regarder et pas forcément acheter. On peut prospecter, regarder. Voilà, on n'est pas obligé d'acheter. C'est pas parce qu'on sort qu'on va forcément acheter. C'est pas parce qu'on va faire les magasins qu'on va forcément acheter. Ça peut être une promenade juste pour regarder qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe. Voilà, de voir les commerçants, de se promener. On n'est pas obligé de consommer. C'est pas parce qu'on sort, c'est pas parce qu'on va dans un centre commercial, c'est pas parce qu'on va là qu'on va forcément consommer. Mais comme
tu disais si bien, Josiane, il faut aussi que le parent lui-même soit capable de ça. Si le parent déjà n'est pas capable de le faire, voilà, ben il ne va pas pouvoir inculquer ça à son enfant, ça c'est sûr. Ma technique, c'est de m'aller au magasin au dernier moment. Donc, on ne va pas arrêter longtemps. Non, on ne va pas arrêter longtemps. Il fait main. Donc, on ne va pas passer journée en dedans. Et deuxièmement, on ne va pas prendre charge. On ne va pas partir. Et puis, ça, là, même, on peut prendre. Vous pouvez permettre qu'on ça. Si vous, en tant que papa, vous faites les courses de la semaine, vous pouvez dire que vous y allez au dernier moment. C'est toi qui fais les courses de la semaine. Non, mais tu t'organises pour avoir le temps de faire les courses que tu veux réaliser, mais il ne faut pas aller. Mais bon, ça c'est l'organisation, moi, qui l'a. Et puis, il faut contrôler. Et puis, on voit bien l'évolution de la psychologie des chariots dans les magasins. Les chariots sont de plus en plus grands. Avant, on tenait des petits chariots. Des petits chariots pour les enfants, vous avez vu. Alors, voilà, il y en a plus, j'en vois plus. Mais les chariots sont de plus en plus grands. Même les paniers. Avant, il y avait les paniers qu'on portait à la main. Ça voulait tellement malin. Panier, année où l'être à présent. C'est ça. Donc, pour aider toujours, pareil pour un chariot, pareil pour un panier, mais. Ça, il s'est pas à présent, c'est quasiment grandé ce chariot avant. Et si on dit qu'on fait qu'on Claude, par exemple, ou pas qu'à aller et puis les commissions, etc. Attends, on ne peut pas vendre ces sachets en disant, on ne peut pas vendre cababa en disant. Mais pas acheter cababa, mais non, mais non. On ne peut pas acheter des petits bagages. Puis finalement, le besoin se fait ressentir. Alors, on peut acheter. Alors qu'on ne peut pas venir. Non, mais pas acheter cababa. On ne peut pas acheter cababa. Là, nous avons dit ça, nous avons évoqué toutes ces cas-là. Parce que c'est concret, là. C'est concret, On essaye de faire de notre mieux. Et puis, vous avez aussi des personnes qui n'ont pas le choix d'emmener leur enfant. Les femmes seules et les pères aussi seuls sont obligés d'emmener leur enfant avec eux. Il n'y a pas le choix. Donc, non, mais ce que je veux dire, c'est que là, on n'a pas le choix que de faire avec et de pouvoir nous adapter. Tu as le choix de choisir. T'as le choix de... Non, mais ce que je veux dire, oui, c'est... Hein, c'est... Le problème n'est pas d'emmener, la solution n'est pas de ne pas emmener c'est l'enfant. C'est pour ça, c'est sûr. C'est ça, mais, au café, tu choisis les conditions, tout tu choisis fait. Les moments, tu choisis tu choisis l'apprentissage que tu as fait à l'enfant, tu choisis la présentation, parce que le magasin, c'est un côté tout acheter, c'est pas un côté tout ça où acheter tout de suite, etc. Gérer frustration, apprendre la patience, apprendre que c'est... Ça, il va crier demain. Tu ne l'auras pas aujourd'hui, tu l'auras peut-être demain, peut-être après-demain, peut-être dans un mois, peut-être, etc. etc. Voilà. Tu n'auras pas à prendre si maman est là, la vie. Peut-être jamais. Ce n'est pas tout de suite la même, bamrin et puis moni. Donc, apprendre que bon, ben, ça, on l'est, ce n'est pas obligatoirement, ça, on va attraper tout de suite la même. Et que maman et papa travaillent, c'est de ralentir un petit peu tes besoins, tes envies, d'apprendre nous vivre. La vie, c'est aussi beaucoup de patience. Tout à fait. Attendre et puis être réaliste aussi. Tout à fait. Mais le magasin, ça reste un endroit de consommation. Est-ce que c'est... Je ne vais pas m'entendre parler de lieu de promenade dans ma ville, à moi, etc. Les lieux de promenade, de préférence, n'est-ce pas, je suppose, Josiane, c'est plus la plage. Ah oui, tout à fait. Mais moi, je parle... bien sûr. On le dit globalement. Oui, tout à fait. Oui, mais c'est vrai qu'effectivement, à choisir, c'est les promenades, les promenades en pleine nature. Mais je parle pour les personnes qui aiment aller dans les grandes surfaces. Oui, mais on ne parlait pas de pleine nature. Parce que Pania n'est pas acheté à de nature. Là, c'est promener encore, respirer, ou content. Prendre temps pour vivre, machin. Et puis, on peut tout y désoutoir, tu flèches, tu bagailles. Ça importe. Mais je dis, nous avons parlé de. Oui, tout à fait. Voilà. Mais nous avons parlé de lieu de consommation. De lieu de consommation. Au lieu de consommation. C'est-à-dire que ça vient automatique là, quand nous. Parfois, il y a des gens qui allaient dans ma. Ça peut être dans ma ville à moi. Mais pour le plaisir d'être dans le magasin. Oui, mais au package taille, l'équipe au package taille. Il est capable de ne pas acheter rien. Mais c'est le lieu de promenade. Par contre, si maman est là, qui est puis oulala, il a vivre en frustration. Mais ça, très bien. Il a apprendre. C'est ça. Il peut rayer tout aussi. Il faut d'ailleurs apprendre. Eh bien, il peut rayer. Il peut rayer dans le moment. Mais là, 10 ans après, il prend les affaires en main, il n'y a qu'à aller, il n'y a qu'à les affaires, il va venir dire merci, maman. Tu n'as pas acheté. Tu m'as bien éduqué, maman. Ah bon. Je pense qu'il faut aussi, comme tu en parlais, il faut faire une différence au niveau des âges aussi. Au niveau de la fermeté. Parce qu'on ne va pas, comme tu disais si bien, on ne va pas
On ne va pas faire preuve de ferme, voilà, de la même façon. Pour un enfant qui a entre, par exemple, 12 et 15 mois à peu près, pour un enfant qui a 5 ans et pour un jeune de 15 ans. C'est pas, et c'est vraiment pas la, du tout la même chose. Par exemple, pour un enfant, je tiens à parler de ça parce que parfois on fait des maladresses par rapport à ça. Par exemple, un enfant entre 12 et 15 mois, donc, qui vient d'apprendre à marcher, par exemple, mm-hmm. à peu près, il sera dans l'exploration, il aura une nouvelle vue puisqu'il sera debout. Donc là, il sera dans l'exploration, il va toucher à tout. Ah oui, voilà. Il va toucher à tout. Et c'est normal. Parce que l'enfant, il est avide de curiosité, il a envie d'apprendre, il a envie de toucher pour comprendre, il a besoin d'explorer, il a besoin de toucher à tout. C'est dans son développement et c'est normal. Très important de répéter ça. C'est le, oui. la période où tu enlèves c'est tout l'allié. Ça. Alors, c'est l'allié. Alors, c'est ouais. vrai qu'il y a certaines personnes, et à tort, qui disent « Ah, moi, je ne vais pas enlever mon beau vase sur la petite table parce que l'enfant, il doit apprendre qu'il ne doit pas toucher. » Je pense qu'il faut enlever ces pratiques-là parce que l'enfant, entre 12 et 15 mois, n'est pas capable de comprendre ce qui est fragile, ce qui n'est pas fragile. Mmh. C'est comme si on lui mettait un morceau de gâteau devant lui et on lui dit « ne touche pas ». C'est exactement la même chose. C'est comme si on nous mettait un morceau de gâteau, on dit « non, tu touches pas, tu regardes, mais tu touches pas ». Alors que l'enfant, quand il voit un beau vase avec plein de couleurs, il a envie de toucher et puis il peut faire preuve de maladresse puisqu'il n'a pas encore bien l'équilibre. Il peut, voilà, sans faire exprès, faire tomber le vase. Enfin, bon. Pousser le voilà, vase. Pousser le vase. Oui, parce qu'il teste aussi. Il essaie de voir, est-ce que je peux arriver à le déplacer? Parce qu'il mesure sa force. L'enfant mesure sa force aussi. Il va vouloir essayer de le porter. Alors, on doit prendre conscience de tout ça. Donc, si... Dans ma maison, mon enfant entre 12 et 15 mois, et que j'ai des choses fragiles ou dangereuses à disposition, je dois enlever tout ça. Oui. Je dois enlever tout ça. Je ne crée pas des dangers pour rien et je ne crée pas de frustration. Parce que si à chaque fois vous êtes derrière votre enfant à lui dire « ne fais pas ci, ne touche pas ci, non, non », non seulement vous allez vous épuiser, et en plus, vous allez empêcher votre enfant de développer son intelligence, de développer sa curiosité. Vous allez le freiner dans tout. Développer la peur de tout. Vous allez vraiment, on va vraiment l'empêcher de... Bon, après, c'est sûr qu'on ne peut pas tout cacher. Il y a des choses que, par exemple, les prises. Bon, l'idéal, ça serait de mettre des cache-prises, mais si on ne peut pas le faire, OK, bon là... Là, on lui dit que non. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de... Mais tu as des caches, hein, pour ça. Voilà. Ce qui est important, c'est de minimiser les noms. De ne pas passer son temps à dire non à l'enfant. Parce que là, ça n'a aucun sens. Et plus vous allez dire non, plus l'enfant va faire, plus l'enfant va vous regarder, plus il va continuer, plus vous allez vous épuiser. Donc, dire le non, il n'a plus de sens. Le non doit être là quand vous sentez que votre enfant est en danger. Donc là, vous criez non. Enfin, vraiment, c'est dans des cas particuliers que vous dites le non. Mais je parle d'un enfant entre 12 et 15 mois. Hein. Mm-hmm. Un tout petit. Ouais, un tout petit, hein, je parle du tout petit. Donc vraiment, essayons de minimiser les noms et toujours prendre conscience que l'enfant est dans une étape de développement, mais qui ne va pas durer. C'est vraiment une étape où, là, il va explorer. Puis à un moment donné, l'enfant, quand il va commencer à grandir, il va commencer à se canaliser, il va moins toucher, il va moins être dans... Il fera autre chose avec lui. Il fera autre chose, voilà, exactement. Donc, respectons cette partie de son développement, même si c'est épuisant et c'est pas évident. Le laisser toucher, c'est à nous d'être vigilants, de regarder, parce que c'est vrai qu'à cet âge-là, en plus, les enfants voient tout. Ils voient la moindre petite miette qui est sous la table, le petit caillou qu'on n'avait pas vu, quelqu'un pour mettre en bouche. Voilà la petite perle qu'on n'avait pas vue, qu'on a fait tomber. Donc, les enfants voient tout et mettent à la bouche. Ouais. Donc ça, c'est pareil, ça fait partie de leur développement. C'est à nous d'être vigilants par rapport à tout ça. Donc, on éloigne tout ce qui est... parce que c'est vrai que les accidents domestiques sont quand même assez fréquents. Donc, manche de l'eau chaude, voilà. Manche casserole là et puis de l'eau chaude. C'est ça, voilà. Donc, tout à fait. Donc, il faut faire vraiment très, très attention à ça. Donc, soyons vigilants par rapport à ça et mais voilà. Tout ça...
ce n'est pas esprit mon café. Oh lol, oh lol, 10 minutes. Merci, monsieur le technicien. Mais tout ça, ce n'est pas esprit mon café. Tout à fait, de, oui, oui. C'est des choses, soit on ne sait pas, soit au moment où on n'y a pas pensé. Est-ce que c'est l'école là qui peut nous apprendre ça, ou bien est-ce que c'est les parents, même les grands-parents qui apprennent nous, ou bien c'est l'expérience qui est entrée, parce que quoi, venir parents par expérience au fur et à mesure qu'ils apprennent. Oui. Cette émission qu'on nous a fait là, qui a porté savoir ta là, et nous comprenons pour que tu apprécier, parce que ce n'est pas des choses qu'on sait dès le départ. Tout à fait. Ce n'est pas dans notre ADN. Oui, tu deviens parent. Oui, parce que moi, j'ai appris. Déjà, moi, j'ai appris. Tu deviens parent. Voilà, tu ne nais pas. Tout à fait. Moi, j'ai appris parce que. Tu nais d'un parent. Tu nais d'un parent. Tu nais d'un parent, ça, c'est sûr. Mais on n'est pas né parent. Tout à fait. Donc, effectivement, on apprend avec nos enfants. Et puis, bon, moi aussi, et puis nous, on partage. Professionnel et on partage. On partage. Voilà. On partage, pas pour critiquer, pas pour porter jugement. Tout à fait. Les autres, pour faire ça, etc. C'est à vous de prendre ça, les autres qui ont senti. Ça, les autres qui ont senti, moi, les autres qui ont senti, bien sûr. Je complète ce que tu viens de dire. Enfin, un bref résumé. La main. Ou l'aimer, quand on lit. Papi. Bon, quand il dit la main, plutôt. Et l'allié du cerveau. C'est, et puis, par le toucher, que l'enfant se construit. Vous avez dit, mais moi, ajouter simplement la main et l'allié du cerveau. Si on y a un petit moment, il va aimer, il va chercher, il va apprendre. Il va aimer. Il va qu'à utiliser la main. Parce que. Je me rappelle quand j'étais en fonction, rapidement, quand j'étais en fonction, j'avais des élèves, qui, des enfants, des tout petits, des enfants de l'école maternelle, des petits, qui avaient peur d'utiliser leurs mains. Ils étaient pas tellement tapant leurs mains, parce qu'il ne faut pas y faire si, ils étaient peur, tiens, la craie, ou bien pinceau, pour y faire la peinture. C'était ce que je faisais, leur apprendre à prendre conscience d'aimer. Bon, rapidement, il y avait ça. Et puis, il y a quelque chose que j'ai. Les parents, quand on parle des parents séparés, ceci, ceci. Alors, je disais que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Ça dépend de son âge, ça dépend. L'enfant doit faire partie des décisions importantes à prendre. Qui le concernent. Voilà. Et puis, je crois qu'il y avait une autre chose, et ce sera pour la prochaine. Je voulais juste rajouter assez rapidement, par rapport à la tape aussi, parfois, pour dire à l'enfant de ne pas faire ça, on va lui donner une tape sur la main. Et vous avez parfois les enfants, entre 12 et 15 mois à peu près, qui vont taper. Donc parfois, l'enfant tape, mais ce n'est pas pour taper. Parfois, c'est des réflexes qu'il ne maîtrise pas, ou parce qu'il teste aussi, voir la réaction aussi de l'adulte par rapport. Donc bien sûr qu'on va lui dire non de ne pas taper. Mais il faut lui montrer d'autres gestes, c'est-à-dire au lieu de taper, tu peux faire ça, tu peux caresser, au lieu de lui taper sur la main, puisque si vous lui dites de ne pas taper et vous lui tapez sur la main, il ne va pas comprendre. Il ne va pas comprendre et il va continuer à taper. Donc ça, c'est pareil. Cette histoire de tape, c'est passager. Ça ne va pas durer. Bien lui faire comprendre qu'on ne tape pas, bien sûr. Lui expliquer, mais lui montrer comment faire autrement. Ou lui donner aussi la possibilité de lancer des balles ou de taper dans des coussins. Voilà, lui donner d'autres alternatives, si vraiment ça le démange. Mais de ne pas taper l'adulte et de ne pas taper tellement. Oui, tout à fait. Il y a le toucher là, mais il y a aussi la parole. Le seul enfant, celui qui commence à parler, bien parler, puis commence des fois à dire n'importe quoi, il dit des trucs que. Ça peut être un gros mot, ça peut être un truc qu'il a entendu, qu'il répète. Alors on va dire ouais, mais ce n'est pas parce qu'on s'est parlé qu'il faut dire n'importe quoi. Oui, mais tu m'as fait la différence. C'est maintenant pour rigoler. Je ne vais pas lui dire qu'il ne faut pas dire ça, mais je lui dis à chaque fois, c'est pas parce que tu sais parler pour te permettre de dire n'importe quoi. On a ça à dire aussi. Donc les paroles aussi, il faut faire attention. Il faut faire attention aux paroles. Bon, l'enfant dit un truc qu'il a répété, l'a entendu, malheureusement, il ne faut pas dramatiser les choses. Il faut lui dire, bon,
Il faut faire des fois comme si on n'a pas entendu et puis dire le lui dire maman, 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 maman. Alors, faire comme si on n'a pas entendu. Mais initialement, bagaille pour dire, rien que par exemple, la question des coups. Non, mais c'est pour ne pas dramatiser. Je dis non, comme si, mais ça ne veut pas dire qu'on ne traite pas. C'est-à-dire ne pas dramatiser sur le moment, attendre le moment opportun. Parce que si on réagit violemment, l'enfant va continuer. Il va continuer. Il y a quelque chose qui de bien qui s'est passé là, je vais recommencer. L'enfant t'a tapé, tu rigoles parce que tu trouves ça drôle, comique, etc. Et puis, on va expliquer, mais là, on va rigoler ça. Tellement bagaille pour dire. Tellement beaucoup moins dur. On va être un petit peu frustré, mais on va s'arrêter. Mais c'est Zéda, parce que Mouna qui prend la tape sur le cours. Hey, mais tu as une information oui. à faire passer. Oui, alors j'ai une information, désolée, à faire passer. C'est que ce vendredi 18, j'ai une manifestation au sein de la paroisse du Robert. Nous allons, donc, destinée à tous, c'est un partage, un moment de partage d'expérience concernant comment être épanoui au sein de ma famille. Donc, vous êtes tous conviés à cet événement, donc ce vendredi 18 à partir de 17h30 à la paroisse du Robert. Voilà. Bien. Ça doit interpeller tous les parents, puisque quelles que soient les conversations que nous gagnons entre nous, parents, tout à fait. Ça enrichit. Et ça ne concerne pas que les parents. Hein. Mm-hmm. C'est vrai que c'est écrit soutien à la parentalité, mais toutes les expériences et les avis sont bons, parents ou pas parents. C'est vraiment un moment de partage d'expérience pour pouvoir se donner des outils, des astuces. On n'est vraiment pas dans le jugement. C'est vraiment un partage d'expérience. Ah, c'est dommage, j'enlève la fiche-là. Vous êtes pour dire pour ouvrir à tout le monde. Oui, mais c'est écrit hein, échange, c'est écrit échange intergénérationnel. Oui, c'est écrit. C'est écrit. Le sujet, c'est les parents, mais c'est pour tout le monde. Oui, c'est ouvert à tous. Les enfants, les jeunes aussi peuvent venir. Tout le monde peut venir, mais oui, tout le monde peut venir. Donc, je vous attends ce vendredi à la paroisse du Robert à 17h30. Venez. On a besoin que chacun s'exprime, chacun partage ses expériences pour nous enrichir et nous édifier. Oui, alors Karina dit, c'est pas tout deviner et puis écouter l'émission la télé, il faut que venir ouais aussi, faut venir ouais concrètement et puis face à face et puis nous allons échanger. Mm-hmm. Josiane y sera peut-être, Claude y sera peut-être, moi je ne sais pas, peut-être. Oui. Donc tout ça aussi, c'est des occasions pour que nous parler, peut-être. Il faut que nous apprenions à discuter, échanger entre nous, partager. Ça très... Parce que là, nous, on était là, nous avons dit, nous avons dit, mais autant nous tenions les coups de téléphone, on savait comment les gens percevaient l'émission. Ce serait bien qu'on revienne à cette. Un jour. C'est une demande déguisée. Le jour qu'on va faire peut-être la 1000e émission, peut-être on va compter combien d'émissions qu'on a fait. Qu'on a déjà fait. Et puis on va faire ça. On va faire une grande émission comme ça. On l'a demandé posée de façon. Voilà, non, mais cette émission est vraiment. Merci à tout le monde. Merci à Karine, notre éducatrice. Tu as pu t'exprimer. Oui, c'est bon. De toute façon, il faut accepter la frustration. Voilà, nous allons quitter pour la prochaine. Exactement. Très bien. Oui. Alors, Josiane Damou, ça sera le dernier. Alors, Claude d'abord, on va dire au revoir. Oui, Claude. Bon, à la prochaine, que nous sommes là et puis nous passer un bon moment, effectivement. Alors, je faisais de la rigolade par rapport à la thématique. On avait dit comment les mater, comment les hausser. Hein. C'est de la rigolade. On m'avait dit qu'on allait me piéger, on ne l'a pas dit. Je l'ai dit. On va revenir sur ça. Parce que, voilà. Alors, on comme va la fermeté. La fermeté, justement. Parce que là, quand on a dit fermeté en général, ça veut dire coup. Voilà, non, ça, parce que c'est ça peut pousser à cette personne. Et là, on est arrivé à dire bon, ben. C'est pas ça. C'est pas coup. C'est pas coup. Ça veut dire que sans coup ou paix, dit qu'on va correctement. Ou pas même vous écrire trop fort, simplement. Je dis à manquer terminé par le mot amour, évidemment. Et puis, une toute petite phrase. L'autorité parentale s'exerce dans le respect dû à la personne de l'enfant selon son âge et son degré de maturité. Beaucoup d'amour. Merci Josiane. Nous qui prenons congé des autres, nous qui remercions les autres encore parce que vous vivez juste là. Dimanche. Corinne dit à dimanche. Vendredi. Tu vas y aller dimanche. Vendredi. Ce vendredi 18, à partir de 17h30. Tout le monde n'est pas dissipé comme toi. Donc on a dit vendredi, d'accord? Et nous faisons une émission, c'est une campagne de l'éducation. Et nous avons dit éducation à la fermeté, à manière ferme, ça pas veut dire vrai. Fermeté bienveillante. C'est possible. Alors, c'est un défi qui nous est lancé parce que nous avons venu des générations et si c'était coup qui était capable. Donc là,
nous périver à faire ça. C'est des défis que nous, chaque nous, mm-hmm. nous ni en tant que parents, mm-hmm. trouver moyen parler éduquer cet imamé noir sans forcément vouloir courir sur eux. C'est pas eux qui ont éduqué nous, c'est nous qui ont éduqué nous, éduqué eux. Mm-hmm. Donc, nous, à nous de trouver, adapter comme nous, pour nous trouver des manières fermes par les bayous. C'est exactement comme l'école là. Avant l'école, là, pour certaines l'autorisation de battre. À présent, il faut que les parents adaptent quand ils ont ça, arriver, trapper, répondre à des filles. Nous, quand ils disent qu'ils ne sont pas qu'à monter la prison, ils ne sont pas qu'à aller piller les nous, ils ne sont pas qu'à aller voler les nous, parce que nous arrivons à trouver les moyens, ça en dit dans nous, mais ça aussi, là, nous allons aller dans des conférences. Pour que nous apprenions à échanger. Au lieu de vous écouter en l'air, vous voyez paroles en l'air. Attention, attention, parce que les paroles sont parfois plus puissantes que, oui, parce que les coups. Non, donc attention. Ils vont changer de modèle. Attention, vraies paroles. Dis ça en créole, c'est violence. Pas le bagaille là. Maintenant, sans violence. Non, mais c'est pas parce qu'on me dit ça en créole, c'est violent. Mais vraies paroles, c'est pas une belle parole. Sans violence. Sans violence. Non, vous savez bien. Parler par moun et vraies paroles, c'est des bails différents. Ouais, nous, ça parler, nous connaître ça. Nous, qu'est-ce que tout le monde en belle bonsoir encore une fois. Merci Jean-Michel, bye bye, et puis à la prochaine. Bye.